Hello tout le monde, nous revoilà pour un haul Prima et un petit peu action. Installez-vous et prenez-vous une boisson. Allez, je commence pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors, chez Action, j'ai trouvé ces pantoufles-là. Elles sont trop belles et trop confortables. Mais parfois, on a l'impression qu'on glisse par rapport ici. Mais bon, on les maintient au pied. C'est le principal. Ensuite, une petite boule de Noël, trop belle. Je la cherchais de partout. C'est la seule que j'ai pris parce que je suis blindée de boules dans ma cave. Ensuite, des chaussettes de chez Primark, comme ceci. Elles sont longues et je vais faire un été sapatoche avec cela. Ensuite, des chaussettes pour le garçon, classique. Elles ont coûté 5 euros. Ensuite, pour les filles, comme ceci, et qui ont coûté 4 euros. Chez les garçons, elles sont plus chères, mais c'est pas grave, il en faut. Ensuite, pour la petite, 3,50 euros. Elles sont trop canons. Il y a des lapins, des étoiles et plein d'autres. Ensuite, une petite bougie, comme ceci, 1,50 euros en caisse, passage obligé. Ensuite, un petit t-shirt comme ça pour ma petite. Trop beau. Et en plus, ils sont pas chers. Ils sont à 2,50 euros. Si vous avez un petit budget, je vous conseille d'aller chez Primark. Ensuite, pour le garçon, comme ceci. Les garçons, je trouve que ça grandit plus vite que les filles. Et les canons. Et pour un prix dérisoire, 5 euros. Ensuite, un autre pull comme ceci. C'est la mode de maintenant pour les garçons. Et aussi, si vous avez des garçons, Primark, c'est l'idéal. Parce que j'ai remarqué que certaines enseignes, ils ne mettent pas en avant les garçons, que les filles. Vous rentrez dans un magasin, il n'y a que du rose, du rouge. Mais pas beaucoup pour les garçons. Celui-là, c'est 6 euros. Très beau, je vous recommande. Ensuite, un Marvel, un t-shirt. C'est le papa qui a craqué pour son fils. Et il a coûté 5 euros. Ça va, c'est pas cher pour du Marvel. Ensuite, un jean comme ceci. Patte droite pour 8 euros. Enfin, et les prix des jeans sont restés pareils. Sauf le reste. Hein, parce que ça a augmenté, mais laissez tomber. Hein. Ensuite, des pyjamas pour garçons. Il y en a deux pour le prix d'un. Qui a coûté 12 euros. C'est pratique. Ensuite, un pyjama comme ceci. Je crois que c'est le baseball en Amérique. Je préfère pas le prononcer parce que j'ai pas envie de fourcher ma langue. Ensuite, un pantalon rouge, rose comme ceci. Les deux pour 3,50 euros. Ça va aller trop la peine. Ensuite, un pyjama pour ma fille. Comme ceci, il est trop beau. Ça fait style un peu surfeur et qui m'a coûté 8 euros. Les pyjamas chez Primark, ça coûte mais un bras. Mais bon, on n'a pas le choix d'habiller nos enfants. Ensuite, un t-shirt comme ça avec des petits cœurs. J'adore. J'adore ces motifs comme ceci qui a coûté 3 euros. Vraiment pas cher. Ensuite, un joli pull bleu comme cela qui a coûté 6 euros. Ça vaut trop la peine. Ensuite, pour les grandes, un pull comme ceci, trop beau, qui a coûté 7 euros. Ensuite, un legging, ça a coûté 3 euros celui-ci. Je me rappelle des prix, pas la peine de regarder sur les étiquettes. Ensuite, un pull comme ceci, pas très cher non plus. Ensuite, un autre legging pour 3 euros. Ensuite, un pyjama comme ceci. Aussi, deux pour le prix d'un. Ça vaut trop le coup. Et ça, c'était pour les enfants. Ensuite, à moi. Je passe pour moi. C'est un t-shirt princesse Disney. Il était trop beau, alors je l'ai pris. Mais il m'a coûté 7 euros. Ça n'a rien à voir avec 2,50 euros le t-shirt. Ensuite,
un haut de pyjama comme ceci. Il a coûté 10 euros. Je voulais l'accompagner avec le short que j'ai acheté et que je vais vous montrer. Ensuite, un short comme ceci, un peu mout-mout. J'ai pris le short parce que le pull, laissez tomber, on le met, on a l'impression qu'on va mourir sur place. Alors j'ai pris et j'ai fait mon pyjama à moi. Ensuite, et pour terminer, le short il a coûté 10 euros. Et pour terminer, voici l'espèce de peignoir pilou-pilou Batman. Pour mon conjoint, il a coûté 25 euros. Eh bien, ma vidéo est terminée. Si ça vous a plu, pouce bleu. Si ça vous a déplu, pouce rouge. Et je vous dis à très bientôt. Mouah.